Finalement, la confiance peut exister entre nous. Il était temps. À l'heure où je vous parle, nos forces alliées à celles de la République neutralisent la menace Revanite et investissent le temple. Malgré nos différences et la guerre qui nous divise, vous avez su inspirer la cohésion, ce que je croyais impossible. Le mérite vous revient. Vous avez réussi là où Darkmar et moi avons échoué. Mais nous sommes loin d'en avoir terminé. Il reste un élément que nos forces combinées n'ont pu arrêter. Revan. Compte tenu de sa défaite, il va tenter de fuir, de rallier ses troupes. Il faut l'en empêcher. C'est comme si c'était fait. C'est terminé. Voilà trop longtemps que vous êtes à mes trousses. Je savais que le plan de Rishi avait peu de chances d'aboutir. Mais je me devais d'essayer. Je devais vous abattre. Vous étiez censé rester sur Rishi assez longtemps pour me permettre d'en finir ici. C'était trop demandé, hein? Tout ceci n'est qu'une mascarade, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas l'homme que vous prétendez être. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai passé 300 ans l'esprit collé à celui de l'Empereur. Je sais ce qu'il est devenu, ce qu'il veut. L'Empereur doit être complètement détruit, sans quoi il reviendra consumer toute forme de vie. Aucun sacrifice n'est trop grand. Si je dois anéantir toute vie sur cette planète pour attirer l'Empereur, qu'il en soit ainsi! Vous ne faites pas le poids contre l'Empereur, même affaibli. Mais bien sûr, tout devient clair. Vous ignorez totalement qui je suis, ce que je suis devenu. J'étais un seigneur noir. J'étais le chevalier prodigue. J'étais puissant et faible à la fois. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, je suis pur, libéré. Je peux enfin me venger de mon geôlier et sauver la galaxie. Je détiens le pouvoir. Vous n'avez rien. Des Sith et des Jedi. Des alliés issus des quatre coins de la galaxie. Chef Vizsla ? Il paraît que le combat ultime se prépare. Quel genre de Mando louperait une occasion pareille ? Vous disiez... Qu'importe votre nombre ! Vous ne me volerez pas ma destinée ! Je suis Revan ! En me battant, vous épargnez le véritable ennemi. Vous condamnez la galaxie. On peut dire ce qu'on veut au sujet de l'Empereur. Pour l'instant, c'est vous la menace. Elle a raison, vous savez. Non, pas vous. Votre rage et votre soif de vengeance vous ont tellement aveuglé,
que vous n'avez pas vu la vérité. Maintenant que votre pouvoir s'amenuise, je peux enfin vous faire face. J'espère que vous m'écouterez. J'avais la situation en main. Et je vous en remercie. Il a fallu que j'accepte ma mort. J'étais prêt à ne faire qu'un avec la Force. Mais j'ai alors réalisé que seule une partie de moi le voulait. Je vous ai chassé! C'était le seul moyen de continuer, de finir ce qu'on avait entrepris! Vous me bridiez! Vous pensez que vous êtes plus fort ainsi, mais c'est faux. Aucun de nous n'en ressort grandi. On ne peut pas continuer comme ça. Je n'abandonnerai pas! Je dois d'abord affronter l'Empereur! Vous avez souhaité mon retour. Il était inutile de détruire des flottes entières ou d'anéantir une planète pour ça. Il suffisait de désigner un ennemi commun à l'Empire et à la République et laisser leur nature belliqueuse se révéler. Je me suis nourri des nombreux blessés. Je suis éveillé. Et avec moi, j'apprends. Vous êtes toujours spécial à mes yeux, Fury. Je vous tuerai en dernier. N'était pas aussi fort qu'il aurait pu l'être si Revan avait réussi. Mais sa puissance était déjà bien suffisante. Non! Il était censé m'affronter pour... Vous êtes trop faible pour survivre. Si on s'unit, que vais-je devenir? Serais-je diminué? Seigneur Fury, vous avez subi trahison sur trahison. Vous n'avez pas obtenu ce rang, en faisant preuve de bonté et de tempérance. Vous faites un bel exemple. Je ne sais pas si je suis prêt. Il le faut. Nous devons l'être. Vous êtes de nouveau un. C'est plus que cela. Pour la première fois depuis fort longtemps, je suis moi-même. Merci à tous pour ce que vous avez fait, pour ce que vous m'avez montré. Des heures sombres approchent. Si mes torts ne peuvent être redressés, tout le monde le paiera. Préparez-vous au pire. Je crois que c'est l'heure des adieux. En effet, ce fut une expérience intéressante, Perron. Bonne continuation. Ouais, pareil pour vous, Lana. Ne cherchez pas trop les ennuis, d'accord? Vous allez enfin être débarrassé de moi. Quel effet ça fait? Je dois bien admettre que vous allez me manquer, Perron. Pareil pour moi. Si on se retrouve un jour, ce sera en tant qu'ennemi. Ce serait bizarre que je vous souhaite bonne chance, alors... À la prochaine, Fury. Ne laissez pas l'Empereur vous abattre. Darkmar veut me voir, sûrement pour me rappeler que nous n'avons pas su contenir l'Empereur. À bientôt. La prochaine fois que vous avez un combat aussi palpitant, vous savez où me trouver. Bonne chance à tous les deux. Vous partez ?
On retourne sur Rishi. Jakaro, je croyais que vous détestiez cette planète. Jakaro a l'intention de reprendre les pirates de la crique des pillards en main. C'est une occasion en or. Vous savez que vous pourriez être un atout précieux pour l'Empire, n'est-ce pas? Sans oublier que nous sommes recherchés par les impériaux à travers toute la galaxie. Surtout moi, en fait. Mais bon, c'est juste un détail. Quoi? Mais vous savez bien que j'ai horreur de cette planète! C'est justement pour ça qu'on y va, je parie! Darkmar, vous vouliez me parler? Le retour de l'Empereur a causé de lourdes pertes, mais rien d'insurmontable. Une broutille comparée à ce que nous aurions subi si les Revanites l'avaient emporté. Vous êtes certes digne de louange, mais sans l'ingéniosité de Lana Beniko, jamais votre collaboration n'aurait été possible. Pour cette raison, j'ai nommé Lana à la tête des services secrets Sith. Je ne vois pas de meilleure candidate. Merci, Excellence. Ce sera tout pour le moment. La puissance de l'Empire ne cesse de croître. L'extraction de l'isotope 5 nous assure l'indépendance énergétique, et la menace des Revanites n'est plus. Vous oubliez le principal. C'est vrai, la trêve est terminée. Nous sommes en guerre contre une république réinvestie, et nos ennemis déclarés au secret sont légion. Je ne prétendrai pas savoir en quoi la transformation de l'Empereur vous a affecté. Éclairez-moi. Le moment venu, je confronterai l'Empereur, et il me devra des réponses. Audace, détermination, excellent. Vous tenez une place toute particulière dans notre avenir. L'Empereur vous a peut-être abandonné, mais à mes yeux, vous êtes sans conteste la furie de l'Empire. L'Empire est à nouveau unifié. Il se développe, se renforce. Les obstacles à venir sont redoutables, mais connus de nous. La galaxie est à notre portée. Il nous suffit de tendre la main.